Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir, le MacPol avec Philippe Robuchon. Un djihadiste infiltré dans l'un des services les plus sensibles du renseignement français. Comment ne pas qualifier d'affaire d'État l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 4 policiers jeudi à Paris. Le ministre de l'Intérieur refuse de démissionner, on l'a entendu tout à l'heure. Sans doute devra-t-il s'expliquer devant une commission d'enquête parlementaire comme le souhaite l'opposition. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Du service politique de RTL. Vous remplacez ce soir Olivier Mazerolle. Au-delà de l'affrontement classique gouvernement-opposition, l'exécutif se retrouve une nouvelle fois empêtré dans une affaire qu'il n'avait pas prévue. Oui, et une fois de plus, c'est la parole du ministre de l'Intérieur qui est en cause. Après les flottements sur l'incendie de l'usine de Rouen, ça donne aussi l'impression d'un gouvernement ballotté par les événements. Bonsoir Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir. Affaire d'État, scandale d'État, tous les gouvernements de la République ont eu leur lot, avec souvent, aux premières loges, un ministre de l'Intérieur. Ah oui, ils sont tous passés comme une sorte de bâton de maréchal. On va entendre Nicolas Sarkozy, on ira même jusqu'à Raymond Marcellin en 1973, c'est vous dire. Et puis dans votre séance dominicale de fact-checking, Jean-Mathieu, vous reviendrez sur l'une des affirmations des opposants à la PMA sans père qui ont défilé aujourd'hui. Ils affirment que la procréation médicalement assistée conduit forcément à la GPA, la gestation pour autrui. Eh bien, on ira voir si c'est vrai dans les pays qui ont déjà adopté la PMA. Quant à la phrase du jour, à l'unanimité, on l'attribue à Éric Woerth, le président LR de la commission des finances à l'Assemblée, était l'invité du grand jury sur RTL. Il nous faut, a-t-il dit, une Greta Thunberg des finances publiques. L'ancien ministre reproche au gouvernement de laisser filer les dépenses sans se préoccuper des générations futures. Et puis l'enquête du MacPol ce soir sera consacrée à quelque chose qui commence à agacer sérieusement la direction de La République En Marche. De plus en plus de députés échangeraient bien leur fauteuil de l'Assemblée contre un fauteuil de maire aux prochaines municipales. Ce sera l'enquête de William Galibert. Le MacPol, c'est parti jusqu'à 19h. Le MacPol, RTL dimanche soir. Jean-Mathieu Pernin, ce n'est pas la première fois donc que dans la vie politique française on entend cette expression affaire d'État, scandale d'État. Souvent d'ailleurs, faut le noter, avec en première ligne le locataire de la place Beauvau, le ministre de l'Intérieur. Et oui, un ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dans le viseur de l'opposition, et on va l'entendre comme ce midi lors du grand jury RTL. Voilà ce qu'a déclaré le député Les Républicains de l'Oise, Éric Woerth. Dans beaucoup d'États, ça provoquerait un scandale gigantesque. C'est un scandale d'État gigantesque. Oui, c'est un scandale d'État. Un scandale d'État, ça me dit quelque chose. Et oui, puisque dans le petit lexique du politicien de la Ve République, ce terme se trouve à la page expression à utiliser en toutes circonstances. Parfois justifié, parfois non. Au cœur de ces scandales d'État, les ministres de l'Intérieur, on se souvient de Gérard Collomb, muet pendant l'affaire Benalla, ou amateur de polémique quand il déclarait que les migrants faisaient du benchmarking. Scandale et ministres de l'Intérieur, ça va bien ensemble. Et Nicolas Sarkozy le savait très bien, puisqu'il va jouer de cette partition en tant que premier flic de France. En 2005, il se déplace à la Courneuve, à la cité des 4000, déclare qu'il va nettoyer cet endroit au Karcher, tollé, mais lui assume. Les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000. Voilà, il faut se montrer inflexible. Alors, on se fait grande gueule. En décembre 1986, un homme, Malik Oussekine, est tué par des policiers en pleine contestation étudiante. Scandale. À l'Assemblée nationale, Pierre Mauroy, au nom du PS, demande des comptes. Au ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, réponse argumentée. Ce que j'ai à dire, c'est que ça fait vraiment récupération politicienne. C'est vrai que la mort de ce jeune étudiant nous a tous touchés. Et vous n'avez ni le monopole du cœur, ni celui de la générosité, mais ni celui de l'intelligence. Voilà, on va remonter encore un peu plus loin puisque les scandales mettent les nerfs à vif l'opposition, mais aussi ceux du ministre de l'Intérieur. En 1973, on découvre des micros dans la rédaction du Canard enchaîné. On demande des comptes au ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin. Vous allez l'entendre un tout petit peu tendu à l'Assemblée nationale. À la vérité, vous voulez me démolir. Vous ne m'épargnerez pas, mais moi non plus, je ne vous épargnerai pas. Tant que j'aurai ce poste que j'ai actuellement, je lutterai. Ma personne, sachez-le, n'a aucune espèce d'importance. J'ai un idéal. Mon idéal, c'est la France. Et l'instrument de la France, c'est l'État. Voilà, totalement relax. Il sera d'ailleurs déplacé de la place Beauvau au ministère de l'Agriculture. Christophe Castaner, héritier des scandales au ministère de l'Intérieur. Finalement, très à cheval sur les traditions.
Marie-Bénite Thaler, il ne démissionnera pas, c'est ce que Christophe Castaner a déclaré au journal de 13h de TF1. Pour répondre à ceux qui, dans l'opposition, réclament son départ, le ministre de l'Intérieur a reconnu qu'il y avait eu des failles dans le suivi du fonctionnaire de la préfecture de police qui a tué 4 de ses collègues. Les signes de radicalisation apparus au moment de la tuerie de Charlie Hebdo ne sont pas remontés, apparemment, aux autorités compétentes. C'est à ce moment-là qu'il y a eu, selon lui, un dysfonctionnement. Christophe Castaner, responsable mais pas coupable, pour reprendre une formule célèbre ? Eh bien oui, Christophe Castaner est responsable au sens où le ministre de l'Intérieur a autorité directe sur la préfecture de police. Et à ce titre, c'est lui qui délivre la première parole officielle après la tuerie. Et que dit-il à ce moment-là ? Il dit textuellement « Cet homme n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte ». Or, on va percevoir au fur et à mesure de l'enquête que c'est faux. Il y a bien eu des signaux d'alerte. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été écrits dans le dossier du fonctionnaire et que donc, c'est comme s'ils n'avaient pas existé. Christophe Castaner n'y est pour rien. Et même s'il ne connaissait pas ces éléments quand il s'est exprimé, il aurait dû redoubler de prudence. A posteriori, sa parole est perçue comme hâtive, voire légère. D'où les demandes de démission de certains à droite. Le ministre dénonce un procès politique. A-t-il raison ? Ces appels à démission, ils viennent du Rassemblement National, Marine Le Pen, Jordan Bardella, de quelques députés Les Républicains, Julien Aubert et Guillaume Larrivé, candidats dans la campagne pour la direction de leur parti, Éric Ciotti, élu du Sud-Est, un des fiefs du RN, mais aussi de Jean-Luc Mélenchon, dont les relations avec Christophe Castaner sont notoirement exécrables. Il y a donc effectivement une utilisation politique par certains dans l'opposition, mais elle est d'autant plus facile que le ministre a plusieurs fois été mis en cause pour sa gestion de la crise des Gilets jaunes ou encore dans l'affaire Steve Canisso, quand il exonère un peu trop vite la police de toute responsabilité dans la mort du jeune homme. C'est donc un ministre fragilisé, d'où les attaques virulentes des plus durs. Marie-Bénédicte, le plus gênant, c'est que ce n'est pas le premier exemple de communication défaillante depuis 10 jours pour le gouvernement. Effectivement, la première fois, c'était avec Lubrizol. Les habitants de Rouen ont eu le sentiment que, dans un premier temps, les pouvoirs publics ne prenaient pas la mesure des dangers ou même qu'on leur avait sciemment caché la gravité des faits. Plusieurs ministres ont ensuite été dépêchés sur place, puis Édouard Philippe, mais le mal était fait. Cette fois, Emmanuel Macron va très vite à la préfecture de police. Mais alors que le mode opératoire fait penser au terrorisme, c'est le secrétaire d'État Laurent Nunez qui l'explique, le président parle de véritable drame, ce qui pourrait tout aussi bien qualifier un accident. Tout ça coûte d'autant plus cher à l'exécutif qu'on est dans une période où la parole publique est systématiquement remise en cause quand elle n'est pas carrément disqualifiée. Alors, dans ces deux cas, comment le gouvernement peut-il s'en sortir ? En jouant la transparence totale, en communiquant à la presse tous les documents si nécessaire. Pour la tuerie de jeudi, le ministre de l'Intérieur va être entendu par la délégation parlementaire au renseignement. C'est une première étape, mais ces auditions relèvent du secret défense. Il y aura aussi la commission d'enquête demandée par les Républicains. Il faudra voir quel est son contour pour ne pas marcher sur les pieds de l'enquête judiciaire. En tout cas, la majorité aura tout intérêt à ne pas freiner des cas de fer comme dans l'affaire Benalla. Et puis enfin, l'Élysée a annoncé une cérémonie à la préfecture mardi. Emmanuel Macron, s'il s'y exprime, devra vraiment trouver les mots justes. Marie-Bénédicte Allais. Dans un instant, retour sur le grand jury d'Éric Woerth, c'était à la mi-journée sur RTL. Il manque à la France, a-t-il dit, une Greta Thunberg des finances publiques. RTL dimanche soir. Le Mac Paul. RTL dimanche soir. Le Mac Paul avec Philippe Robuchon. C'est donc Éric Woerth qui est-elle aujourd'hui l'invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI, le député Les Républicains de l'Oise, président de la commission des finances à l'Assemblée, s'était fait remarquer il y a quelques jours en qualifiant le budget 2020 de budget en 3D, dette, déficit, dépense. Autrement dit, il reproche au gouvernement de manquer de courage et de n'avoir établi un budget que pour calmer la grogne des gilets jaunes. Il s'en est expliqué aujourd'hui au grand jury. On réécoute Éric Woerth, on débrief après. Je pense que le gouvernement, il se trompe de budget. D'ailleurs, à mon avis, c'est quand même le budget qu'il n'aurait pas aimé faire, qu'il n'aurait pas voulu faire. Il s'est fait imposer par les Gilets jaunes. Je pense qu'il s'est fait imposer par le climat social qui aujourd'hui règne sur la France. On est dans une France terriblement stressée. Mais il ne fallait pas baisser la charge fiscale ? Bah oui, mais pas dans n'importe quelles conditions. Tout le monde souhaite qu'on baisse les impôts. Enfin, fondamentalement, évidemment qu'il faut payer moins d'impôts, mais baisser les impôts, ça veut dire aussi dire comment on les baisse. Et comment vous baissez les impôts si vous ne réduisez pas un peu la dépense ? Vous augmentez le déficit. Augmenter le déficit, c'est réduire la souveraineté du pays. Augmenter le déficit, c'est réduire la croissance potentielle de notre pays. C'est donc de réduire le potentiel de revenus et le potentiel de salaire de chaque Français. Je pense que le gouvernement
s'est trompé ou alors il a cédé à la pression. Donc vous n'auriez pas baissé les impôts de 9 milliards, c'est ça que vous nous dites? En tout cas, nous n'aurions pas, et je n'aurais pas, et je l'assume totalement, je n'aurais pas supprimé la taxe d'habitation. Je pense que c'est une erreur d'avoir fait 20 milliards de réduction de taxe d'habitation parce que ça a totalement tué toutes les marges de manœuvre possibles pour le pays. Et je n'aurais pas supprimé la taxe d'habitation, mais nous aurions au contraire était plus loin sur la baisse de l'impôt sur les sociétés qui est mal faite en France. Et deuxième point, je pense qu'il faut réduire les impôts de production qui pèsent sur la productivité de nos entreprises. Plutôt pour c'est les pas entreprises pour faire plaisir pour les aux entrepreneurs. C'est ça pour... votre credo? Mais les entreprises, ce sont des ménages. Ce sont... Qu'est-ce qui travaille dans des entreprises? Des algorithmes, des robots? Ce sont des ménages. C'est des gens qui tirent un salaire. Et vous croyez que leur salaire il va être augmenté si l'entreprise n'est pas aidée, si elle a des boulets au pied par rapport aux entreprises européennes, aux entreprises mondiales? Vous parlez de la réduction de la dépense publique, justement, pour baisser les impôts. Sur quoi faites-vous les réductions de dépenses publiques alors que vous dites souvent il faut pour la police, pour la justice, pour l'enseignement, pour des moyens? Ah mais moi, je ne dis pas ça. Moi, je pense qu'il faut se réorganiser différemment. Je pense qu'il faut avoir un service public de bonne qualité, un service public de santé, un service public de sécurité de bonne qualité. Ça ne passe pas nécessairement par 5,5 millions de fonctionnaires. Je pense qu'il faut réduire, à un moment donné, le nombre de fonctionnaires. J'ai la plus grande considération pour les fonctionnaires et le travail qu'ils font. Simplement, on peut dire à un moment donné que la France vit au-dessus de ses moyens. Vous savez ce que je pense? Ben, appliquons le programme du président de la République. Appliquons le programme du président donc de la République. 50 000. Le président de la République, il a prévu 120 000 sur l'ensemble de la sphère publique, dont 50 000 dans la fonction publique d'État. Puis il a révisé à 15 000, puis il a révisé à 10 500. Et cette année, 47. Éric Woerth, vous êtes... Réduction de 47. On aura bientôt les noms des fonctionnaires qu'on ne remplace pas. Prenons simplement ce qui a été dit. Les Français ont voté pour Emmanuel Macron. Alors, faisons au moins 120 000 réductions. Ce n'est pas pour le plaisir de faire 120 000 réductions. C'est en réalité créer les conditions d'un pouvoir d'achat durable des Français. On n'est pas suffisant. Il nous faut une Greta Thunberg des finances publiques. Il nous faut quelqu'un qui, à un moment donné, ait le charisme nécessaire. C'est vous, la Greta Thunberg? Est-ce que c'est vous? Visiblement, je n'ai pas le profil de ça. Visiblement, je le regrette. Il faut quelqu'un qui, à un moment donné, puisse incarner l'idée qu'on ne peut pas vivre au crédit des générations futures. Le MacPol, RTL, dimanche soir. Benjamin Sportouche, RTL, Yves Tréhard, Le Figaro, Julien Arnaud, TF1, LCI. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On viendrait écouter Éric Woerth ensemble. La phrase du jour, l'une des phrases du jour incontestablement, c'est « Il nous faut une Greta Thunberg des finances publiques ». Autrement dit, il reproche au gouvernement de laisser filer, quoi, voilà, de ne pas serrer les cordons de la bourse. Benjamin. Ah bien oui, c'est vrai que c'est son mantra depuis des années, hein, Éric Woerth, hein, quand il était ministre du budget, il était attaché à une certaine rigueur. Alors il dit qu'il n'a pas pu la mettre en application parce qu'il y a eu la crise économique de 2008. Et en même temps, il dit aujourd'hui, bah, il y a un programme, celui d'Emmanuel Macron, qui visiblement pourrait le satisfaire s'il était appliqué. Mais en même temps, on entend quelqu'un qui peut être complètement étranger, sourd à ce qui s'est passé dans la rue, c'est-à-dire aux Gilets jaunes, parce que quelque part, il n'a pas été très clair sur le fait de savoir s'il voulait réduire les impôts des Français. Il a dit qu'il ne fallait pas supprimer la taxe d'habitation, mais sur les 9 milliards, il n'a pas l'air convaincu qu'il fallait les supprimer pour quand même 17 millions de ménages. Donc vous voyez, c'est quand même perd la rigueur, hein, Éric Woerth, et je ne suis pas certain quand même que dans l'opinion publique aujourd'hui, il trouve une oreille favorable à ce discours-là. Julien, pardon. Oui, il vient de la droite, c'est l'UMP, c'est les Républicains, c'est cette orthodoxie budgétaire économique, il en est le parfait représentant et le parfait porte-parole, Éric Woerth. Ce qui était le plus étonnant, effectivement, c'est cette punchline, ce parallèle avec Greta Thunberg. Je ne m'y attendais pas personnellement de la part d'Éric Woerth, surtout que on a bien vu ces derniers temps, notamment à droite, quand on l'a citée, c'était plutôt pour la décrier, la renvoyer chez elle. Et puis là, ben voilà, on a Éric Woerth qui cite son nom. Mais c'est aussi, je dirais, représentatif à l'ensemble de l'émission de ce grand jury pour Éric Woerth, cette petite voix, singulière, un pied dedans, un pied dehors, dans son parti Les Républicains. On ne savait pas trop, au final, ce qu'on devait en penser. Yves Tréhard. Moi, je trouve que l'image, elle est très très bien trouvée. Je suis complètement d'accord avec ce que viennent dire mes deux confrères. Il est plein de contradictions. On se demande ce qu'il fait encore chez les Républicains, d'ailleurs. Mais je trouve que, autant c'est un sujet qui est pénible, austère, les finances publiques, mais si vous mettez une Greta Thunberg là-dessus, et que vous dites aux jeunes générations, mais attendez, on est en train de vous faire les poches, en fait. Vous allez mourir de faim parce que vous allez plus avoir d'argent. Eh ben, c'est pas idiot d'avoir effectivement un jeune. Ce qu'on lui a dit, c'est qu'il devrait trouver une jeune lycéenne pour faire le boulot. Et peut-être que ça rendrait les finances publiques un peu plus sexy, populaire. Oui, voilà. Donc je trouvais que la trouvaille était bonne. Simplement,
Il est quand même étonnant parce qu'il nous dit, moi, ce qui Macron faisait son programme, qu'il avait annoncé, ça m'irait très bien. Et puis d'un autre côté, il dit, mais Macron, il supprime pas de fonctionnaires. Et en même temps, il accuse Macron d'avoir provoqué la crise des Gilets jaunes. Il est en contradiction totale, permanente, et il sait très bien qu'avec les 500 000 fonctionnaires supprimés, ce qui était le programme de Fillon, mais qu'il soutenait. 120 000 Macron. 120 000 Macron, mais Fillon, c'était 500 000. C'était pas les Gilets jaunes qu'on aurait eu, c'était la Révolution française. Mais en même temps, est-ce qu'il est quand même très symptomatique de cette droite qui ne sait pas vraiment où elle est, oui, et ce qu'elle représente. Parce qu'on ne sait pas s'il fait consensus dans son parti sur cette histoire de la rigueur budgétaire. Il y a beaucoup de gens comme Guillaume Pelletier qui dit non, il faut distribuer de l'argent pour le pouvoir d'achat. Même on se souvient de Valérie Pécresse qui voulait augmenter le SMIC. Donc vous voyez, on ne sait pas du tout ce qu'est la droite aujourd'hui. Et c'est quand même un peu inquiétant parce que cette opposition, en quoi elle est crédible si elle n'est pas unie? Quand vous êtes désunis à ce point, et ben vous avez du mal à faire passer un message. Donc le message, et ben il est quand même brouillon avec tout d'un coup Éric Woerth qui, sur plein de sujets, se démarque de son camp. Julien Arnaud. Oui, ce qui était intéressant finalement, c'est que on n'avait pas beaucoup vu Éric Woerth de cette manière. C'est-à-dire qu'il a tenté de faire jouer sa propre partition, son propre petit refrain. Regardez-moi, Éric Woerth, j'existe vraiment au sein du Parti Les Républicains. À plusieurs reprises, on lui a dit, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que vous, plus qu'un autre? Ouais, parce que je l'ai décrété, en quelque sorte. Parce que Éric Woerth l'a dit, donc ça va se faire. Ou parce que je vais pouvoir me présenter. 2022, pourquoi pas? Alors dans pourquoi pas, il n'y a pas la négation, nous dit-il, mais voilà, c'est une petite musique qu'on entend et on ne s'y attendait pas. Lorsqu'il veut jouer quelque chose de particulier, est-ce qu'il sent quelque chose? C'est toujours très ambigu. Non, mais je crois que, en fait, quand on l'écoute, on se dit qu'il pourrait très bien quitter la politique aussi. Qu'il en a un peu assez, qu'il en a soupé. La caricature que offre son parti, il estime que ça a été tout à fait négatif et quasiment, je dirais que ça a tué une partie de l'aura de son parti, de ses troupes. Et de deux choses l'une. Soit il veut faire cavalier seul et il se dit qu'il n'a pas de troupes, il n'est pas à la tête d'une grande région comme les Valérie Pécresse ou Bertrand, ou il quitte la politique, ou alors la seule chose qu'il a à faire, c'est de se ranger dans la majorité présidentielle, parce que sincèrement, ce grand jury-là montre pas des différences majeures avec la politique qui conduit aujourd'hui. C'est soit je vais à l'Élysée, soit je m'en vais, quoi. Voilà. C'est un peu comme dichotomie. Merci Benjamin Sportouche, RTL, Yves Tréhard, Le Figaro, Julien Arnaud, TF1, LCI. Merci. Merci. RTL, le fact-checking. Alors Jean-Mathieu Pernin, des dizaines de milliers de personnes ont défilé cet après-midi contre ce qu'elles appellent la PMA sans père. Hein. 600 000 personnes selon les organisateurs, 74 000 selon l'Institut Occurrence, c'est pas tout à fait la même chose. On entend souvent ses opposants dire « la PMA pour toutes les femmes, on est contre, car inévitablement la phase d'après ce sera la GPA, la gestation pour autrui ». Eh bien vous avez voulu vérifier, Jean-Mathieu, si ça s'était passé comme ça dans les pays qui ont adopté la PMA. Voilà, vous avez raison Philippe, c'est un argument tellement répandu qu'on n'arrête pas de l'entendre, et comme l'a dit exactement ce matin Ludivine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Edouard Philippe, il était opposé à la PMA sans père il y a 2 ans. Oui. Il a changé d'avis. Mmh. Aujourd'hui, il dit qu'il est opposé à la GPA. En fait, il ne fait rien pour lutter contre la gestation pour autrui. Et en effet, des Français vont exploiter des femmes à l'étranger. Et donc demain, Edouard Philippe, enfin demain ou après-demain, c'est pareil, Edouard Philippe nous dira que finalement, il a réfléchi, il a changé d'avis. Il est pour la GPA. Alors, un point de vue déjà dénoncé par la ministre de la Justice qui a expliqué que la GPA sera interdite tant qu'Emmanuel Macron sera au pouvoir. Mais Jean-Mathieu, de dire que la PMA conduit invariablement à la GPA, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ce n'est pas systématique et cela varie énormément en fonction des pays. Commençons par la PMA pour tous. Elle est autorisée dans 11 pays, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Irlande et la Suède, Slovaquie, Roumanie et Grèce pour l'Europe. Parmi eux, 7 pays autorisent seulement la GPA. En Belgique, aux Pays-Bas et en Slovaquie, aucune législation n'interdit cette pratique. Elle est donc autorisée de fait. Chez les autres, elle est légalement encadré, que ce soit en Irlande, en Roumanie, où la loi prévoit un défraiement de la mère porteuse, ou au Royaume-Uni, où il est interdit de pratiquer des GPA contre rémunération. Au Portugal, par contre, la gestation par autrui est autorisée en cas d'infertilité et sans rémunération. L'Espagne, la Suède ou le Danemark, qui ont autorisé la PMA, interdisent, eux, la GPA. Mais là où la chose devient complexe, c'est le cas polonais. Le gouvernement interdit la PMA, mais n'a jamais légiféré sur la GPA. Elle est donc autorisée dans la pratique. C'est assez étonnant de la part d'un gouvernement connu pour son conservatisme. Un dernier chiffre, ça nous plaît, vous savez. En 2017, le Comité consultatif national d'éthique estimait que 2000 à 3000 femmes françaises s'étaient ainsi rendues à l'étranger pour avoir recours à une PMA. RTL dimanche soir, le MacPol avec Philippe Robuchon.
Parlons des municipales maintenant et on va s'intéresser à un phénomène intéressant. À 5 mois du scrutin, les appétits s'aiguisent au sein de La République En Marche. De nombreux députés, apparemment plusieurs dizaines, semblent prêts à abandonner leur siège au Parlement pour un fauteuil de maire. Bonsoir William Galibert. Bonsoir. Ça commence à inquiéter et même à agacer la direction du parti présidentiel. Oui, pourtant le patron du groupe En Marche à l'Assemblée, Gilles Legendre, a tapé du poing sur la table à la rentrée. « Je ne laisserai pas se dessiner des écuries pour les municipales », voilà ce qu'il lançait. Et comment dire, le message n'est pas vraiment passé. Ce que reconnaît d'ailleurs à demi-mot la porte-parole du groupe et membre de la commission d'investiture En Marche pour ces municipales, Marie Lebec. Au bout de 2 ans et demi, la façon dont on appréhende son mandat, on se rend peut-être compte qu'on a plutôt un prisme terrain et qu'on pourrait être plus utile en tant que maire qu'en tant que député. Il y a toujours un peu un arbitrage, j'imagine, qui se fait au bout d'un moment sur la façon dont on veut mener son action politique. Certains pourraient se sentir plus utiles comme maire, dit-elle. Ça, je vous le confirme, la liste ne cesse de s'allonger. Émilie Chalas à Grenoble ou encore Annaïg Lemeur à Quimper. D'après notre décompte, au moins une trentaine de députés vont se lancer comme tête de liste. Mais alors William, pourquoi autant d'appétit pour ces municipales côté En Marche ? Eh bien, il y a d'abord l'épisode fratricide à Paris entre Cédric Villani et Benjamin Griveaux qui a ouvert les vannes. Certains iront avec ou sans investiture officielle. Richard Liogé à Metz, Patrick Vignal à Montpellier, Cédric Roussel à Nice refusent les alliances avec les barons locaux du Parti Socialiste ou des Républicains. Ils iront coûte que coûte, appelons ça le syndrome Villani. Il y a aussi de manière plus classique des anciens élus locaux qui s'y verraient bien, à l'image du député des Bouches-du-Rhône, Saïd Ahamada, à Marseille. Moi j'ai Marseille dans le sang, j'ai envie du meilleur pour elle, et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce serait presque une démission de ma part que de ne pas proposer ma candidature à l'investiture. Et puis William, il y a ceux également qu'on pourrait appeler les déçus du Palais Bourbon. Oui, jamais vraiment à l'aise à bord du paquebot En Marche à l'Assemblée, jamais le sentiment d'être à sa place. Ils sont nombreux dans ce cas, comme le raconte la députée de la Manche, Sonia Crimi. Dire le contraire, c'est vous mentir, dire que je n'ai pas des collègues députés qui viennent me voir en me disant « écoute, je me sens inutile » ou « j'arrive pas à comprendre ça » ou « gérer la machine de la majorité, c'est une machine hyper frustrante. Moi, je le vois comme une vraie opportunité d'aller faire autre chose. Les municipales pourraient alors se transformer en jolie porte de sortie. Ce sera sûrement le cas d'ailleurs pour Sonia Crimi à Cherbourg. Elle qui a longtemps fait entendre ses critiques, notamment au moment de la loi immigration, en aurait-elle marre de passer pour le vilain petit canard ? Oui. Oui, oui. Pour ne plus être cette emmerdeuse de service, je me suis dit, quitte à être utile, pourquoi je ne serais pas utile pour mettre en place ces politiques-là ? Parce que sinon, je vais devenir une femme aigrie et je n'ai pas envie de devenir cette femme-là. Voilà. Voilà, les ambitions s'affirment un peu partout. Elles se transforment en grains de sable dans la machine En Marche pour ces municipales. Elles viennent perturber les cuisines internes de la commission d'investiture. Ce serait du suicide de ne pas accepter le jeu des alliances locales, tacle un poids lourd du parti avant de lâcher. Certains se voient trop beaux. Les mauvais députés ne se transformeront pas en bons maires. William Galibert, voilà, 18h58. Merci Marie-Bénédicte Allaire. Merci Jean-Mathieu Pernin pour ce MacPol. On se retrouve dimanche prochain. Dans un instant sur RTL, les infos à 19h. Puis on refait la planète. Alors ce soir, on ne sera pas avec Yann Arthus-Bertrand, mais avec Jean-Louis Etienne. L'explorateur sort un livre passionnant, Aux arbres citoyens. Et puis 19h20, ne manquez pas Autoradio en compagnie de Christophe Bourou. On va parler voitures anciennes avec un chanteur français très connu qui a tout eu, des Ferrari, des Lamborghini, des Cadillacs. Et il roule aujourd'hui en voiture sans permis. À tout de suite.